Et on a la télé avec un... Coucou, on est bien arrivé à l'aéroport de Madrid. On va passer toute la nuit dans l'avion. On est un petit peu éclaté. On a très mal dormi parce que les sièges n'étaient pas confortables. Il y avait un bébé qui pleurait derrière moi, qui donnait des coups dans le siège. Et aussi le wifi s'était payé en fait. Et pour que Farid puisse dormir sur 3 sièges, j'ai dormi par terre dans l'avion. Hein Farid ? Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. J'ai dormi par terre. Le mec a eu aucune pitié pour moi. Je dormais par terre comme une clodote. Voilà. Si l'avion était mort, ben, j'aurais été sacrément embêtée. Bon, à toutes. Première galère de Madrid, on n'a pas d'argent. On avait oublié, mais on n'a pas d'euros. On n'a pas de carte bleue vu qu'on s'est tout fait voler en Argentine. On n'a que des pesos et en fait le taux de change est tellement dégueulasse que ça nous divise par moitié la valeur. Du coup, on va essayer de changer en France. Mais le problème qu'on rencontre, c'est que là, on n'a pas d'argent pour pouvoir aller à l'hôtel. Et ce soir, on va au congrès de salsa et on n'a pas d'argent pour pouvoir s'acheter des habits. Et on est habillé comme des clodos. Voilà. Hop là. Donc ça complique un peu notre vie. Donc là, on essaye de contacter l'hôtel pour qu'il vienne nous chercher parce qu'on n'a pas d'argent pour se payer un taxi. On était couchés. Non, pas avec tes chaussures. T'arrives tes chaussures. Tu fracasses pas mon col. S'il te plaît, tu vas le déchirer avec les chaussures. Voilà. Cette femme, elle est horrible. C'est une honte. Une honte humaine. Une honte humaine. Pas normal, c'est pas normal. Je te filme pas, hein? Je sais pas, j'ai honte. J'ai honte, je te jure, j'ai honte. J'ai honte. Le mec il se foutait de ma gueule et maintenant il fait à peu près pareil. Voilà. C'est ok, tu pourrais pour rentrer dedans. Yeah. C'est le manège. C'est pas ma femme. Je ne la connais pas. Regarde cette dégaine de couche. Je vais me refaire. À partir en ville, on va acheter des habits.
Je vais devenir une fille. Je vais même pouvoir m'épiler. Parce que, à moi, sans épilation, c'est un peu... Avant. Farid, pourquoi tu étais content quand elle m'a donné un rasoir, la dame? Ben, j'aurais été content qu'elle te donne un désinfectant, surtout parce que franchement, il y a du boulot. Et je suis bon. C'est quoi ce classe là? 50 euros, t'as la classe comme ça? Waouh! Alors là, on revient carrément à la civilisation. On a pris une chambre à 50 euros, on a une cuisine. Non, mais même en France, t'as pas ça. Voilà. Wow, pour 50 euros, on a eu une suite appartement avec tout le confort dont on rêve. Deux lits séparés, yeah! Je vais dormir toute seule ce soir, c'est trop bien. Une méchante salle de bain, wow! J'ai même eu un rasoir, la classe, je n'avais plus de rasoir depuis 3 semaines. Mais attends, il y a une autre là-bas, Farid! Il y en a plein là, des rasoirs. Pourquoi tu me voles les trucs? Ah non, c'est pas des rasoirs. Ah, c'est quoi ça? Là. Trop bien, la classe. Il est quasiment 7h. On doit descendre en ville pour s'acheter des habits. On dénote tellement avec les gens de l'hôtel. On est dans un hôtel super, la classe. On a une suite, on est habillé comme des clodos. On n'a aucun habit. Et ce soir, on va à un super congrès de salsa. Donc là, on descend en ville pour essayer de s'acheter des habits. Mais on est dans la merde vu qu'il est 7h et que visiblement, il y a une heure de route. Donc, ce sera demain quand on sera dans l'auditorium. Il y aura quoi l'auditorium? Il y a encore plus beau, tu vois. Et demain, on va dans un hôtel encore plus classe. Voilà. Et là, on est tellement mal habillés qu'on a peur de se faire pointer à Zara. Les vigiles, ils vont nous suivre. Ils vont dire, mais c'est quoi ces clochards là? T'as l'argent, t'as le portefeuille, t'as tout? Ouais, j'ai tout. Et ils ont oublié de nous faire payer le bus. On a gagné 12 euros. Bon, il semblerait qu'ici les magasins ferment à 10h. Donc là, on doit marcher, prendre un pont, prendre un bus, prendre un métro et on arrive à Zara. Il faut que je m'achète des œufs pour laver mes cheveux aussi. Donc voilà, allez à toutes. Ce soir, je serai pas dégueulasse. Ce soir, je redeviens une être humaine. Notre chauffeur de bus, il était français. On a tellement de chance dans la vie. Hey! Tête de con. Attends, il faut que j'éclate Farid. Vas-y, fais montrer tes grosses fesses. Non, je veux bien sûr. Attends. T'es vraiment obèse. S'il te plaît, maigris. Pour moi, pitié. C'est pas tes paroles? Non, il y a une différence entre ton obésité et la mienne. Coucou, après une journée animée où on a acheté des habits, on est rentré à l'hôtel, là on vient de se préparer et on va au congrès de bachata et on t'emmène avec nous, voilà. Je suis bien rouge. T'as vu, je recommence à ressembler à une fille, mais ça va venir. Tout à l'heure je ressemblerai à une vraie fille avec une robe et des talons, des cheveux et tout et tout. Farid a honte de moi parce que j'ai une robe, j'ai une belle robe en dessous et que comme j'ai froid, j'ai mis ouais, les lignes qui sont sales. Un gros pantalon
mon gros pantalon de l'Argentine avec mes chaussures. Pourri, qui n'a pas été lavé depuis des mois et des mois. Voilà, je suis. Depuis trois semaines de vacances. Voilà, c'est j'ai mis mes chaussures de marche. J'ai mis ma veste de ski. Faites quelque chose pour elle, franchement. Mais promis, dès que j'arrive au congrès, je deviens une bombe atomique. Oui, bombe c'est atomique, bon. Rassouilleuse. Regarde comme toi, t'es non, beau. Non, ça me... Oh là là. Non, en fait, ça me dépite de voir ça. Je peux plus. T'es beau. On a 20 minutes de marche pour arriver au congrès. Et Faridou, il fait la course. Le but, c'est de savoir lequel de nous deux arrivera en premier. On n'a pas le droit de courir, hein. Pourquoi? Non, mais je te le dis. Ok. Bah, tu cours. J'attends tes petits bacs à ça. Moi, je cours pas. Je suis pas une tricheuse, moi. Je peux même faire ma tête. On erre dans l'hôtel pour trouver la chambre de notre pote et pour voir se préparer. Et on cherche une astuce pour pas payer l'entrée aussi. Comme ça, tu commences à me connaître. L'hôtel, il est immense. Il y a des blocs, des étages, des rues, des machins. Impossible de trouver, c'est un labyrinthe. Donc là, on cherche. Hola. Hola, comment ça va? Merci.